TF1 20h. Franck et compagnie. Bienvenue et bonjour à tous. Alors, les nouvelles. Il a bien fallu qu'on se rende à l'évidence que on pouvait faire rouler des trains entre Aurillac et Brive face au refus des cheminots de vouloir partir et devant l'évidence qu'on pouvait entretenir les matériels à Aurillac. Et ben, j'ai décidé de faire circuler les trains entre Aurillac et Brive à partir du mois de juillet, c'est-à-dire avant que les travaux soient finis entre Clermont-Ferrand et Aurillac. Et puis, c'est pas tout. Je me suis dit, comment on fait circuler des trains de marchandises pour aller jusqu'à la carrière de Bagnac chercher du ballast? On pouvait très bien faire circuler quelques trains de voyageurs entre Morse et Aurillac. Aussi, j'ai décidé, dans un grand élan de générosité, de faire circuler des trains à partir du 2 février et jusqu'à la fin du mois de mars, entre Morse et Aurillac, pour amener les enfants à l'école et les ramener, parce que mes cars, ils glissent sur le verglas. Mais qu'il se rassure, la ligne de Figeac, elle n'est pas prête d'ouvrir la circulation. Parce qu'il faut bien que je fasse circuler mes bus. Et de toute façon, il y en a pour au moins 2 ans de travaux. Mais après, quand ce sera fini, je vais mettre des trains tout jolis, tout neufs, tout beaux, pour en voyager. Maintenant, on va dire au revoir aux bouseux de la campagne et on leur dit à bientôt. Hein? Quoi? Ben oui, je le sais que les trains ils peuvent rouler jusqu'à Figeac, puisqu'on amène des cailloux jusqu'à la carrière. Hein? Quoi? Ben non, il est pas aussi intelligent que ça le cheminot. Il va pas y penser. Et il n'y a pas marqué Macron, là. Allez, va voir si mon jet, il est prêt.